21 janvier 1968, 21 janvier 2018, ça fait 50 ans. 50 ans que notre équipe nationale, le Léopard, a gagné pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Éthiopie. Aujourd'hui, nous allons célébrer cette grande fête parce que c'était le début, c'était la naissance du football congolais. Et j'aurais voulu avoir des témoignages de ceux qui l'ont vécu. Parmi ceux qui étaient là ce jour-là, nous avons Sayo Mokili, qui est à côté de moi. Il va essayer de nous revivre, nous faire revivre ces moments-là. Quelle a été la préparation? Comment ils ont fait pour gagner cette Coupe d'Afrique? Qui, il faut le dire, d'après l'histoire, la première Coupe d'Afrique a été organisée en 1965. Donc, 3 ans après, le Congo, le Zaïre, le Congo, dans le temps, a gagné sa première coupe. Et depuis, nous avons gagné deux. La deuxième, c'était en 1974. Et aujourd'hui, nous voulons raconter l'histoire pour nos enfants, pour nous-mêmes. Parce que moi, en 1965, je suis aussi bébé. J'avais 5 ans. Mais je me souviens rapidement, j'ai quand même des flashs. Quand le cortège est passé devant chez moi, puisque j'étais à Bandal, j'ai l'image. Les léopards sont passés, sont allés voir Mobutu. Mais pour avoir de plus grandes informations, pour avoir de plus grandes précisions, j'ai voulu commencer avec Sayo Mokili, qu'on va plus présenter. C'est le roi. Bonsoir, vieux Sayo. Bonsoir. Ma première question, vous allez me le dire, est-ce que vous savez que vous êtes le joueur congolais qui a plus de références au Congo? Il y a beaucoup de petits Sayo que tous les autres, et vous le savez. Ça, je le sais bien. Comment vous le savez? Je l'ai déjà remarqué. Ouais, vous avez remarqué. J'ai remarqué que parmi tous les joueurs de mon époque, en tout cas, j'ai beaucoup de références. D'accord. Parmi ces références, il y a des ministres, il y a des députés. Qui ont le nom de Sayo. Qui ont le nom de Sayo. Que j'ai raconté moi-même aussi. Ah, ils me l'ont dit, ils me l'ont raconté. Et comment ça explique que vous avez plus de références? Vous n'étiez qu'une fois champion d'Afrique en 68. Ouais. Vous n'avez pas été à la Coupe du Monde. Vous n'avez pas gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions. Comment ça fait que vous avez plus de références? En plus, c'est vieux à votre histoire. Les références sont dues à cause de ma façon de jouer. Mm-hmm. Ça dit, j'étais un joueur peut-être différent des autres. Différent. Dans le sens que j'étais un bon dribbleur. Un bon dribbleur. Mm-hmm. C'est ce qui a fait que beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes gens qui jouaient un peu, qui avaient presque la même taille que moi, mm-hmm. et qui étaient des bons dribbleurs, on les appelait toujours Sayo. Et Sayo. Donc Sayo, c'était ouais. plus la tête qui était petit et qui était dribbleur. Petit et dribbleur. D'accord. Vous les aurez même dans Vita Club, il y a des joueurs qui se sont pas pendant mon époque, pardon. Je sais, par après, ouais. Par après, il y a eu mm-hmm. même des joueurs dans le Vita qui s'appelaient Sayo. Moi, j'ai un témoignage à Bandal. Ouais. Dans Manaya, nous avions un Sayo. Il voilà. était petit, il voilà. est allé jouer dans le club après. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, vieux Sayo, nous allons parler de l'histoire. Ouais. Le 21 mars 68, vous êtes champion d'Afrique. Ouais. Mais j'aimerais que vous me le dites. Nous allons faire un document scientifique. Un témoignage qui va rester dans les annales. Ouais. Est-ce que vous me jurez de me dire la vérité, toute la vérité, que rien que la vérité? Bien sûr. Parce que souvent l'histoire est falsifiée. À moins que je me trompe, parce que ça fait tellement longtemps. Un moment, il s'est passé qu'il y a des moments que je peux me tromper de dates ou bien de. Je sais pas, des rencontres qu'on avait rencontrées avec certaines équipes. Peut-être si vous les connaissez, vous me les rappellerez. Parce voilà. que moi, j'ai fait mon boulot. Ça fait tellement longtemps, il y a des choses que j'ai dit. J'ai fait mon boulot de journaliste. Voilà. J'ai investigué. Ce n'est que normal. Hein. D'accord. En 65, ouais. vous avez 23 ans. Oui, parce que je suis né à 45. En 68, vous avez 23 ans. Oui, parce que je suis né à 45, si vous faites les calculs. Voilà. Vous avez 23 ans. Ouais. Moi, en 65, j'ai 5 ans. Waouh. J'habite Bandal. Un matin, on nous dit le léopard est champion. Ouais. Je ne comprenais rien du tout. Ouais. J'étais sur la grande avenue Kassavubu. Ouais. Le cortège est passé. Vous êtes allé voir Mobutu. Ouais. Vous vous souvenez de ces jours-là? Oui, je me souviens. Ce n'est que normal. C'est vraiment
quelque chose d'inoubliable. Voilà. Est-ce que ça reste le plus beau souvenir en football? Ah, bien sûr. C'est l'apothéose d'ailleurs. D'accord. Quand on raconte une Coupe d'Afrique, c'est comme ceux qui gagnent par la Coupe du Monde, c'est pareil. C'est presque la même chose. C'est la même chose. Et en plus, c'était la première fois qu'on gagne la Coupe d'Afrique. Trois ans après sa création. Voilà, tout justement. Ah, d'accord. Voilà. Alors, Vissayo, nous allons entrer en détail. 68, vous étiez en Éthiopie pour gagner la Coupe. Ouais. Mais en 67, vous jouez les éliminatoires. J'ai fouillé sur Google, j'ai fouillé sur Internet. Ouais. Vous avez joué contre le Soudan, contre la Tanzanie et contre l'île Maurice. Ouais. Vous serez premier. Ouais. Mais le dernier match qualificatif, vous jouez contre la Tanzanie. Voilà. Et tu te souviens de ces jours-là? Ah, bien sûr. C'est le seul match où je peux me souvenir. Parce que les autres que vous m'avez cité tout à l'heure, c'était quoi, la Tanzanie et Soudan, et puis l'île Maurice. Et Maurice, je ne me souviens plus de ces matchs. Mais vous vous souvenez de la Tanzanie? Pourquoi vous vous souvenez qui est de la Tanzanie? De la Tanzanie parce que c'était le match où on devait se qualifier. Il fallait se qualifier. Mm-hmm. Voilà. On les avait battus à Kinshasa 1-0. Mm-hmm. Le match est retour. Il fallait gagner ce match ou soit faire un match nul. Mm-hmm. Voilà. Et lors de ce match, je suis le joueur qui a marqué ce but-là de la zone de la qualification. C'est-à-dire on était mené 1-0. Et juste après, avant la fin du match, il restait, c'est pas 10 minutes ou 5 minutes, et puis j'ai marqué ce but. Okay. Et de quelle façon aussi, parce que c'est un but, une balle qui est venue de rentrer de touche, presque au milieu du terrain, comme ça. Mm-hmm. Et puis après, je suis réceptionné la balle, c'était vers la gauche, tout doucement. Et j'ai commencé à dribbler, à me rabattant vers le milieu du terrain, parce que c'était vers la gauche. Mm-hmm. Hein, comme l'île gauche. Mm-hmm. Alors quand j'ai eu cette balle, j'avais la façon de. J'avais une manie de feinter en faisant semblant d'aller comme ça et je me rabats vers le milieu de terrain. À 2-3 reprises, je dribblais comme ça et puis dans l'axe du but, j'ai frappé et j'ai marqué ce but-là. Mm-hmm. Et après, ce but, on était qualifiés parce que. C'était la fête. C'était la fête. Vous imaginez un peu. Vous avez acquis, et tu as ça ou on vous décore? On vous décore tout justement. Pourquoi on vous décore? Tout justement à cause de ce but-là. Ah, parce qu'il vous donnait la qualification. La qualification de l'équipe nationale. Qui vous décore? C'était Kiba Somaliba, à l'époque. Le ministre des Sports, qui est revenu beaucoup plus tard. Voilà. Alors, nous allons parler pour le bien de l'histoire. Vous êtes qualifié. La préparation, ça se passe où pour aller en Éthiopie? Donc, on s'est préparé dans beaucoup de. D'abord chez nous à Kinshasa. Oui, les matchs amicaux, tout ça. Les matchs amicaux. Mm-hmm. Et puis après, nous sommes allés. La plus grande préparation, c'était à. Nous sommes allés où ça? Mwanda vers Mwanda là-bas, je crois. Mwanda, dans le Bas-Congo. Dans le Bas-Congo. Mm-hmm. C'est là où on s'est préparé. Dans un camp militaire, je crois. Il y a un camp militaire là-bas. La base militaire. À Mwanda. C'est là où nous sommes allés. Et c'est là où on s'est préparé. Et on était préparé physiquement par les colonels Ngimbi, je crois. Ngimbi. C'était un colonel, je crois. Mm-hmm. Ngimbi. C'est lui qui nous a pris physiquement. Et on a fait aussi des matchs amis contre nous là-bas. Et puis après, on préparait surtout le match contre Pelé, contre Santos. Santos est venu. C'est l'équipe la plus célèbre au monde. Justement. Mm-hmm. C'est là où nous sommes allés. Et d'abord, il y a eu des préparations, même au stade, tout le temps. Il y a eu des équipes aussi qu'on a joué avec. Après, nous sommes allés à. Au Brésil. Non, d'accord. Comme là, chose à. À Mwanda, Kitona. La base de Kitona, oui. Pour préparer les matchs contre Santos avec Pelé. Mm-hmm. Et juste après, on est revenu après le match. Et après la préparation, mm-hmm. nous sommes venus. On a eu, je crois, deux ou un jour de vacances, on était chez nous. Mm-hmm. Et puis après, je me suis dit. Là, vous habitez où Moi, j'habitais à Matongué. Matongué, oui.
Kibonge lui habitait à Kassaboubou. Pourquoi vous citez Kibonge? Je cite parce que nous sommes préparés quand même lors de ce match, nous deux, moi et Kibonge. Ah, d'accord. Ouais. On s'était donné rendez-vous. Mm-hmm. Moi, Matongue, lui à Kassaboubou, je ne connais plus l'avenue où ils étaient. On s'est dit, bon, à 5h du matin, on se raconte vers l'avenue Bongolo. Mm-hmm. Bon, c'est Bongolo. Bongolo, c'est voilà. Matongue, ça voilà. va. C'est presque. À travers Yolo. Voilà. Mm-hmm. C'est presque le milieu entre moi et lui. Uh-huh. Alors on s'est dit, bon voilà, on se raconte là à 5h du matin uh-huh. pour longer Bongolo et aller faire contourner jusqu'à Yolo Makala et nous faire le jogging. Valet de jogging. Uh-huh. Et à 5h, on s'est retrouvés sans arrêt. On a continué directement vers Bongolo et on a fait notre tour jusqu'à Makala, Yolo. On est revenu sur le marché des Gambela. Non, il y avait un autre marché là. Dans quelle commune? Jusqu'à. Entre. Entre. Ngiringiri et. Où le Ouzabayaka. Ouzabayaka, voilà. D'accord. Voilà, mm-hmm. On a pris cette route. Sirasso, ça, ouais. Voilà, Sirasso. Et puis après, on est venu tomber sur Kassaboubou. Bon, et puis on s'est séparé sur Bongolo. Mm-hmm. Chacun est allé chez lui. Mais là, vous êtes des stars, donc les gens vous connaissent. Ah oui, les gens nous reconnaissaient facilement. Mm-hmm. C'est ça, Kinshasa, on était les deux joueurs, je ne me vante pas, mm-hmm. qui possédaient la Vioui, Bouma, à l'époque. Uh-huh. C'était les deux, Kibonge et moi. Uh-huh. Avant le Vioui, on avait des Vespa. On avait d'abord des mobilettes, et puis Vespa, et ainsi de suite, et puis jusqu'à avoir la Vioui. Mm-hmm. Les deux. Et voilà, c'est pour vous dire que. À Kinshasa, il y avait moi et Kibonge. D'accord. D'abord, qui était beaucoup plus connu, mm-hmm. beaucoup plus médiatisé mm-hmm. que certains joueurs. Ce n'est pas que je me vante, je crois que c'est. Vous remarquerez même si vous demandez aux gens. Mm-hmm. Et après, bon, après ce match, un jour après deux jours, on s'est retrouvé encore dans l'équipe nationale. C'est-à-dire, on était interné pour attendre le match contre Santos. Santos. Que vous avez perdu 2 buts en 1. On a perdu 2 buts en 1 mm-hmm. et on a fait un très bon match. Très mm-hmm. très bon très match. Bon, ouais. Ben oui. Qui a marqué contre Pelé? Contre Pelé, on avait perdu ce match, non? Par 1 but à 0. C'est Pelé qui avait marqué. Ah, c'est Pelé qui avait marqué. On a fait un très bon match. Mm-hmm. Il y a eu des occasions, il y a eu des belles phases de jeu. Et il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Bon, est-il que Pelé. Si on dit qu'il est le meilleur du monde, il est, hein, parce mm-hmm. qu'il faut voir des choses, des gestes techniques que j'ai vus, mm-hmm. qu'il avait fait, la balle qui venait d'un défenseur, et la balle qui venait pour qu'il réceptionne, il va, il met la balle. L'adversaire est ici. Mm-hmm. Il vient vers avec, il vient, et on attaque l'adversaire, et moi, l'adversaire l'attaque. Et lui, ils vont ensemble comme ça, vers la balle, et lui pique la balle contourne l'adversaire. Hein? Je ne sais pas si tu comprends. Si, je comprends. La balle contourne l'adversaire et il retrouve la balle. Neymar a souvent fait ici. Uh-huh. Donc c'est le vieux truc en voilà, fait. Voilà, il contourne la balle, il prend la balle et il va avec. Et les buts, si le but qu'il a marqué, il faut voir. La balle, on a donné à Maria ou quelque chose comme ça, un joueur comme ça, Di Maria, qui jouait dans à l'aile droite. Il a réceptionné la balle, une balle profonde. Il a couru. Pelé était encore presque au milieu de terrain. Et quand Maria a eu la balle, il a foncé vers la ligne, en allant vers le but. Pelé, quand Maria est arrivé à peu près à 10, 14 ou 16 mètres, ça dit vers l'extérieur, du rectangle. Pelé a démarré. Il était presque au milieu de terrain. Pelé a démarré. Il a démarré parce que là, tout le monde est parti. Les défenseurs, lui, il était encore derrière. Et Pelé a démarré. Quand l'autre l'a vu, il a mis la balle presque au point de penalty. Parce que les défenseurs étaient déjà partis. Alors lui, il revient tout seul en démarrant. Une frappe sèche, reprise. C'était but. Et la balle est entrée et ressortie par la force de des choses, les filets ont renvoyé la balle. Et tout le monde a ramassé la balle.
croyant que la bulle n'était pas rentrée. Et on a dit non, c'est déjà rentré, le ball est rentré. Donc c'était l'unique but qu'ils ont marqué, et un beau but. Et puis un beau geste technique, et une très belle phase de jeu aussi entre Zomaria et Pelé. Ouais. Et le star dans l'équipe de Santos? Il y en a eu beaucoup. Hein. Vava n'était pas avec Pelé? Non, Vava non. Ouais. Oh là là, les noms m'échappent. Il y a eu beaucoup. Il y a d'abord les gardiens Nilma. Il y a eu Pelé, il y a eu... Oh là là, si vous m'avez dit avant, j'allais un peu réfléchir. C'est pas grave. Il y a aussi l'attaquant, il y a eu de très bons joueurs, qui avaient des renoms, qui étaient connus, sur le plan mondial, je crois. Voilà. D'accord. Alors moi, je vais vous donner... Il y a eu Pépé aussi. Je vous donne le nom de 22 léopards qui ont participé à la Coupe du Monde. À la Coupe d'Afrique, vous n'allez plus vous souvenir. Vous allez nous dire ceux qui sont encore vivants. Ouais. Kabamba Nicodème, qui était votre capitaine. Oui, il est encore vivant. Il est vivant. Ouais. Kembo Jean. Kembo est mort. Kembo est mort. Raoul Kidoumou. Raoul, il est encore. Il est encore, oui. Jeff Kibongué. Il est là, oui. Je viens de causer avec sa femme il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. Moukombo Mbert. Moukombo est mort. Mvoukani Philippe. Mvoukani est vivant. Mangue Salomon. Mangue est mort. Katumba Pierre. Katumba est mort aussi. Katumba est mort. Matumona Bernard. Il est mort aussi. Il est mort. Chimanga, FC Kipushi. Chimanga aussi, je crois, oui. Ah ouais, ouais. Monaka Songo. Il est mort. Kalala Pierre. Il est mort. Il est mort. Moulongo Freddy. Il est mort. Mungamuni Léon. Il est là. Il est là, hein. Ouais. Ngenibung Emmanuel. Ngenibung est mort aussi. Mouil Albert. Il est mort. Mbouli Paul. Mbouli est mort. Mouawa Idias. Il est vivant. Mokili Sayor, vous êtes vivant. Je suis là, oui. Bileng Elbert. Il est ici, il est à France, oui. Et Bengo Augustin. Il est à Kinshasa, non? Il est à Kinshasa, ouais. Souplesse, oui. Souplesse, oui. Lembi Simon, il est mort. Il manque le nom de Kazadi. Kazadi. Gardien de but de la capacité, il est mort aussi. Ouais, alors, Vesayo, nous sommes arrivés à Addis Abeba. Oui. La compétition commence. Oui. Votre premier match contre Congo Brazza, 3-0. Oui. Kidoumou marque 2 buts. Oui. Et Moua marque 1. Oui. Vous êtes dans le terrain. Oui. Mais le but, c'est vrai que je n'avais pas marqué le but lors de ces matchs. Mais quand même, je me suis distrait. Je me suis distrait par mes feintes, par mes phases de jeu, de dribble à contre-pied et tout ça. Et j'ai donné des belles passes qu'on pouvait marquer avec, que les attaquants pouvaient marquer, mais ils n'ont pas pu. Parfois parce qu'il y a eu l'intervention des gardiens, mais est-il qu'on a fait tous un très bon match contre le Congo. Et là, vous marquez, vous gagnez 3-0. Oui. Le deuxième match contre les Ghana, vous perdez. Ouais. Les matchs, c'est le match que on m'avait suspendu parce que tout le monde était fâché dans ce match, même les dirigeants. Mais pourquoi? Tout le monde fâché, parce qu'on nous a, on avait sifflé un penalty, il n'y aurait pas eu être. Mais bon, puisque l'arbitre avait sifflé. On a accepté, on a joué. Mais dans ces pénalties, il y a eu 3 pénalties. 3 fois qu'il habite, disons, à 2 reprises, il avait refusé le... Ah, ils ont joué 3 fois le pénalty. 3 fois parce que Gandhi avait arrêté. Kazan avait arrêté une fois, il a arrêté une fois. Et le deuxième fois, c'était pas... Même le premier pénalty qu'il avait arrêté, c'était normal, il n'était pas sorti. Il a bien arrêté, il a bien arrêté ce pénalty, les deux. Le premier, le deuxième. Et le troisième... qu'ils ont accordé, c'est ce qui nous a fait fâcher. C'est par là que moi et même les dirigeants même étaient entrés sur le terrain. Lorsqu'ils vont siffler le troisième pénalty. Le troisième, il fallait refaire 3 fois. Il fallait refaire 3 fois. C'est là que les dirigeants et moi-même j'étais fâché. D'ailleurs, le match était interrompu. Et puis après quelques minutes, on a repris le match et on a perdu ce match par, je crois, 2-1. Oui.
Ces jours-là, vous avez marqué. Hein. J'avais marqué. Hein, ouais, le but, c'est vous qui marquez. Oui. Je ne me souviens plus, j'ai marqué ce but. Mm-hmm. Et après le match, tout le monde est sorti. Il y a eu le vestiaire, il fallait prendre le tunnel. Oui. Et je peux dire par malheur, j'ai raconté l'arbitre. Et comme il n'y avait personne, je lui ai donné un coup. Je lui ai donné un coup juste parce qu'on était fâchés à cause de ces pénalties refaits à trois reprises. Mmh. Et voilà, c'est comme ça. Moi, je croyais que personne ne m'avait vu. Or qu'il y a eu des joueurs des Ghanais qui m'ont vu. Et ils ont cité mon nom. C'est pour ça que j'ai été suspendu lors de... Le Sénégal, vous ne jouez pas. Je ne jouais pas. Le Léopard gagne. Et ouais. Et l'autre aussi, demi-finale, je ne sais pas jouer. Contre le Sénégal, vous gagnez 2-1. Ouais. Le but de Kidumu et de Chimanga sur penalty. Ouais. Ils sont qualifiés en demi-finale. Ils jouent contre l'Éthiopie. 3-2. Bah, moi et Kabambo n'avaient pas joué parce que. Kabambo était malade. Malgré que j'étais suspendu, j'étais aussi malade. Malade aussi. Moi aussi avec Kabambo. On avait 41 degrés. Ah, d'accord. On avait des fièvres à cette époque. Mm-hmm. 41 degrés. Donc, vous n'étiez même pas au stade. On n'était même pas au stade. Uh-huh. Les matchs, on était au stade qu'à la finale. La finale. Les deux matchs. Vous ne pouvez pas jouer, vous n'êtes toujours pas en forme. Moi, j'étais suspendu, en même temps malade. Uh-huh. Donc, comme Kabamba, on n'avait pas participé à ces matchs-là. Contre l'Éthiopie, il gagne 3-2. Il gagne 3-2. Un fait intéressant ce jour-là. Ouais. Mais j'en avais pas. Il marque 2 buts. 2 buts. Voilà. Il gagne 3-2. Voilà. Ils sont qualifiés pour la finale. La finale. C'est la pour première ça, finale. C'est pour cela que Mungamoni. Jusqu'à présent, on l'appelle l'homme d'Aspara. Oui. À cause de ce Mugabuni Aspara. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, la finale contre les Ghana, qu'on retrouve. Voilà. Les Ghana qui nous a battu injustement. Justement, voilà. Le match, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Lors de ces matchs-là, le premier match qu'on a joué contre eux, après le match, on leur avait dit. Que nous ferons tout pour gagner le match contre le Sénégal. C'était contre le Sénégal. Sénégal et vous, nous souhaitons que vous fassiez un effort pour qu'on se retrouve en finale avec vous. Et on verra. On leur avait dit, hein. Uh-huh. On leur avait dit ça. Que faites un effort de gagner. Nous, on ferons tout aussi pour gagner le Sénégal. On se retrouve en finale. Rendez-vous en finale. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi. En finale. Et nous, on avait gagné contre le. Gagné. Cala Lapierre. Il marque un beau but. Un beau but d'une passe venant de Mungamuni. Oui. Il a amorti la balle de la poitrine. Lui, c'est lui qui a joué à ma place, à l'ailier gauche. Il n'était pas sans travail. C'est Kembo qui était sans travail. Ah, lui, il a fait 7 ce jour-là. Lui, il a fait 7 ce jour-là, à ma place. Parce que moi, je ne pouvais pas. Et vous, vous étiez toujours 7. J'étais toujours 7 dans l'équipe nationale. Sauf je ne fais pas le dépied. Non, mon pied, mon vrai pied, pied le plus. Vous êtes doigtier. J'étais doigtier. Mais de temps en temps, oui, quand il faut jouer une passe à gauche avec le pied gauche, je l'ai joué. Quand il fallait aussi frapper. Mais jouer le numéro 11, c'est jamais arrivé. Non, mais non, je jouais. Le but que j'ai marqué contre la Tanzanie, j'étais vers l'ailier gauche. On a fait la passe, disons. Le rentrer à touche. Il tend, il est gauche. Mm-hmm. Je vais trouver là. J'ai demandé la balle vers la gauche. Et comment j'ai fait? Je me suis rabattu vers la droite. Et en se rabattant vers le milieu de terrain. Et vous êtes maintenant devant la cage. Et là, il frappe. Maintenant, c'est ce qui s'est fait maintenant. Oui. Aujourd'hui, les droitiers jouent à gauche. Et les gauchers jouent à droite. Uh-huh. Parce que ça leur permet. De faire des dribbles en rentrant vers le centre. Le centre. Oui. Et on se retrouve devant le but et on a la possibilité de frapper. Ah, c'est ce que moi j'avais fait ces jours-là. J'ai joué à gauche, je me suis rabattu vers le centre, et puis en dribblant quoi. Et puis j'ai frappé et j'ai marqué ce but-là. Donc. Vous gagnez. C'est ce que Kala. Mais Kala, lui, n'a pas fait la même chose. Lui, il était à droite. On l'avait aligné à droite et il a eu la balle. Presque dans le centre, presque, comme centre avant, mais ce n'était pas son poste ces jours-là. Et il a monté de la poitrine, et du coup, il a pris la reprise, et puis il a marqué ce but-là. Il marque le but. Alors, le Léopard sont champions d'Afrique, ouais. Pour la première fois. Ouais. Vous étiez au stade ces jours-là? Oui. Vous étiez dans le tribune, quoi. Oui. Oui, malade. Malade, oui. Oui. Mais vous êtes descendu quand même sur la tribune. On est descendu sur les photos, c'est dommage, je n'ai pas de photos là. Ouais.
Il y a eu des photos après, on était en suivi, moi et Kamamba, mais quand ils ont donné la coupe, nous aussi nous avons réceptionné la coupe, on s'est fait photographier avec. Et même quand l'AIC a donné la coupe, nous étions là en civil. On a fait, comment dirais-je, le rang à la ligne, d'accueil comme tout le monde. Quoi. Pour avoir la médaille déjà. La médaille, vous et puis parmi les 23. Saluer lui-même les chefs. L'empereur. C'est Selassie. Voilà. Qui a été destitué en 75. Tout justement. En 75, moi je sais. Oui, en 75. Je m'en souviens plus. C'était en 75. Ouais. Je me souviens, j'étais en première année CO. Ah bon? Oui. Ouais, je m'en souviens plus. Alors, vous êtes champion. Vous arrivez à Kinshasa le lendemain. Ouais. C'est quelle ambiance ça? Oh là. Première Coupe d'Afrique des Nations. Première Coupe d'Afrique des Nations. Oui. On ne s'y attendait pas. Mm-hmm. On ne s'attendait pas vraiment qu'on aurait eu beaucoup. Pourtant, il y avait des individualités quand même déjà. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Non, pas s'y attendre. Je ne m'y attendais pas. De voir l'accueil. Voilà. Si vous parlez de l'individualité, de la continuité, on avait une équipe avec de très bons joueurs, de grandes classes. Il y a même beaucoup qui sont restés. Voilà, il y a beaucoup qui sont restés. On ne pouvait pas prendre tout le monde. Ouais. Non, là, de ce côté-là, il y avait Katumba. Il était formidable. Les garçons Chimanga, vous avez Kazadi. Oui. Vous aviez Mokombo, c'était un match houleux, ce match-là, contre les Ghanéens. Les Ghanéens, trop tactique, trop physique. Oh là là là. Ouais. Avec Kofi, les noms m'échappent. Le centre-avant aussi, là. Mfoum, je crois. Ouais, Mfoum. On a souffert, hein. C'est pas parce qu'on a gagné, difficilement. Heureusement, si Kazad était sur le. Kazad était en forme à travers ça. C'est bon époque. Gardien. Et je crois même que Kazad n'a pas. Kazad était blessé. C'était Matumona. Kazad était blessé. Kazad était blessé. C'est Matumona qui l'a remplacé. Un remplaçant formidable. Il a sauvé beaucoup de balles. Oui. Donc c'était un match où c'est eux qui gagnaient, où c'est nous qui gagnons. C'était un match revanche aussi. Hein, un match revanche. Voilà tout simplement. Alors tout le monde était comment dirais-je, décidé de faire en sorte qu'on gagne ce match, parce qu'on leur avait promis. On leur avait promis que faites un effort de gagner le match pour qu'on se retrouve en finale. Et ils l'ont fait, nous l'avons fait aussi. Et voilà, on s'est retrouvés. Bon, on était tous des bons joueurs, des meilleures équipes. Bon, les deux meilleures équipes. Ouais. Ils pouvaient gagner comme l'Afrique à ce moment. Vous arrivez à Kinshasa, vous allez voir le général. C'est ça que le lieutenant général. C'est là où j'ai dit, on ne s'y attendait pas à cet accueil. Ouais. Foule. Foule. J'étais parmi ces gens-là. Foule. Moi, j'étais vous devant chez moi, à Likasambwa, oui. Mais pas à l'aéroport. Moi, je n'ai pas de l'aéroport. Non, pas l'aéroport. Moi, j'étais devant chez moi. Moi, je n'ai pas déjà l'aéroport. Oui, quelle c'était foule. Déjà la foule. Ah non, on ne s'y attendait pas. Et c'était la première coupe. Nous, on savait qu'on allait arriver à l'aéroport. Après, peut-être on aura un peu de gens. Vous êtes arrivé à quelle heure? Oh, je me souviens. C'était l'après-midi. Je ne connaissais plus. Dès l'aéroport, déjà, il y a eu beaucoup de gens. Nous, on ne savait pas qu'il y aurait beaucoup de gens, beaucoup de gens ce jour à l'aéroport, parce qu'on ne s'y attendait pas. On croyait peut-être qu'on va y arriver, il y aura des gens qui vont venir me recevoir, les dirigeants, les machins, et après, on va avoir une fête. Mais c'était une foule de gens, des gens jusqu'à l'aéroport, et le long des artères de Kinshasa, et non. Jusqu'à Mongaliema. Vous étiez sur le jeep militaire. Le jeep militaire avec ton toc. Avec ton toc. En Costa. Non, on était à Costa. On était en maillot, avec nos culottes. Vous aviez le toc de léopard. On était en tenue de football avec les vareuses, culottes et toc. Ah déjà. Ah oui, on n'était pas en training. On n'était pas en training. On était avec nos jets de maillot. Vous allez le voir le même jour, le lieutenant général Mobutu. On ne l'a pas vu ce même jour. Vous ne l'avez pas vu le même jour? Non, on ne l'a pas vu. Après l'aéroport, vous étiez où? On était, je crois, au zoo. Je crois, je ne sais plus. En fait, on était laissé au zoo. Après. Après avoir fait le tour, on était au zoo. Oui. Après, on est rentré chez nous. Et. On nous avait promis qu'on allait voir Mobutu, je ne sais plus, quelques jours après. C'était là, vous avez la photo. Oui, j'ai vu la photo. C'était à Mostalé.
m'installer, hein, au ouais. IA, cité de l'OIA. Oui, cité de l'OIA. Voilà, c'était, donc, ils nous ont fixé rendez-vous là-bas, et je ne sais plus quand, mais c'est là où on a été là-bas, et puis, il nous a décoré. Voilà. Il vous a décoré. C'est ça la photo, oui. D'ensemble, quoi. Et il vous a fait des cadeaux quand même après. Non, on nous a promis des cadeaux de voiture, de l'argent, on n'a rien eu. Vous n'avez rien eu, comme rien. Celle de 74. Celle de 74, ils ont eu des maisons, non? Mais vous ne l'avez pas dit, ils ont eu des maisons et voitures. Ils ont eu des maisons, ils ont, oui, ils ont eu des pour maisons. Pour la Coupe du Monde. Oui, ça c'était pour la... Pour la Coupe d'Afrique, ils n'ont rien eu. Pour la Coupe d'Afrique, non, ils ont eu des maisons. Mais pour la qualification... Pour la Coupe d'Afrique, ils ont eu des maisons. Ah oui? Des voitures. Moi, j'ai discuté avec eux. Ah ouais. Pour la Coupe d'Afrique, ils n'ont rien eu. Ils ont eu des voitures et maisons pour la qualification à la Coupe. La Coupe du Monde, voilà, oui. C'est pour la qualification. Donc vous, pour la Coupe, vous n'avez rien eu? Moi, je n'avais pas participé à ces matchs, à ces... tous ces racontes. Il y a eu toute une histoire. Je ne sais pas si je vous ai raconté ou je n'ai pas rencontré. Donc, si je n'avais pas participé, c'est parce qu'on avait eu un problème. Lors de la préparation, notre préparation... Là, nous sommes en 74. Là, non, on arrivera. Là, nous sommes encore en 68. Ah, ça vous voilà. Envoyez Mobutu, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Ils nous avaient promis qu'on aurait des voitures. Mm-hmm. Et un peu de l'argent, mais rien dit. Rien. 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 Ça ne vous a pas dérangé, il y a un syndicat, monter une équipe pour faire de réclamation, rien? Rien. Ouais. Le capitaine, c'était Kabamba. Rien, on n'a fait même pas des bruits, on attendait, il n'y avait rien. Ouais. Vous étiez jeune aussi. On était jeune, mais on ne savait vous pas comment. Quand même une vie. On savait même pas. Loisir, hein. Voilà, c'était un loisir. Mm-hmm. Et puis on ne savait même pas comment réclamer ou s'organiser pour réclamer ce qu'ils nous ont promis. Vous venez d'arriver. Hein, venez d'arriver en 65. Il impose son autorité. Voilà, tout justement. On ne pouvait pas. On pouvait pas. C'est pas parce qu'on a eu peur, mais on savait pas. On pouvait quand même. C'était votre droit, cette question. C'est vrai. C'était notre droit, mais vous n'avez même pas parlé au ministre qui passe à Maliba. Moi, je sais pas si on a parlé. Moi, je sais pas. Je ne pense même pas. Nous, on était jeunes, et puis pour nous, on était d'ailleurs contents d'être champion d'Afrique, et tout le monde était sur nous. On nous vantait, on faisait des éloges sur nous, et ça nous plaisait. Bon, on ne voyait pas autre chose, on ne voyait même pas l'argent aussi. Nous, on voyait surtout la réputation, on était gay, trop jeune. Première Coupe d'Afrique et tout ça. Bon, si on était peut-être des croulants, c'est-à-dire des gens finis, peut-être vous nous avez promis de l'argent, une voiture. Bon, comme on était jeune, on voyait que la jeunesse, c'est la joie, c'est la vie, voilà, c'est ça. Nous, c'était la vie, quoi. Quelques temps après, vous repartez dans vos clubs. Après, on est reparti, comme d'habitude, après une coupe, et une sélection, on repart, on récupère notre club. On attend 70, vous devez défendre votre coupe. Oui. Mais c'était un fiasco. Oui, c'était un fiasco. Pourtant, il y a eu du renfort. Oui. Les jeunes arrivent, hein. Bouanga, Kakoko, Mayanga. Voilà, tout justement. Des très bons joueurs. Quand la se blesse, il est remplacé par Calonzo. Un grand numéro 9 aussi. Oui, mais ça n'a pas marché, pourquoi? Bon, vous savez, c'est pas parce que ça marchait à 68 que ça pouvait marcher à... Mais vous avez toujours une bonne équipe. Voilà. Des bons joueurs. C'est ça, le football. C'est pour vous dire que le football, c'est ça. On s'attendait à ce qu'on fasse... Vous avez changé d'entraîneur aussi. On a changé, c'était Mori. En 68, c'était un Hongrois. Comment il s'appelait encore? Sanadi à 68. Sanadi. C'était et en 70, vous c'était avez un Français. Mori. Ah, vous vous souvenez quand même de nous. Ouais, j'ai fait des recherches. Mori, lui, n'a pas fait le poids, lui. Bon, enfin, il n'a pas. C'était les joueurs ou lui, on ne sait pas. Il n'a pas. Je ne sais pas où on avait ramassé ces entendus. Je n'ai jamais entendu, même maintenant, je n'ai jamais entendu parler de Mori. Vous lui même quand quoi, suis, en fait. Même quand je suis parti, faire mes cours d'entraîneur à l'INS. Non, j'étais à l'INS en France. Attends, vous étiez ici. Moi, j'étais à l'INS. Jamais entendu parler de lui. Jamais entendu parler de Mori. Hein. Oui, mais au départ, peut-être un coopérant en France. Voilà. Un coopérant français à Kinshasa, il s'improvise entre eux. Voilà, moi, je ne sais pas. On était jeunes, on s'en foutait, l'entraîneur qui venait et tout ça. Mais donc, bref, votre analyse, vous dites en 70, pourquoi vous échouez? Vous ne savez pas. Bon, et pourtant, on était des très bons joueurs. Ouais, j'ai dit Calonzo, Kakoko. On avait des très bons Mayanga, joueurs. Mayanga, Bouanga. Oui, on avait une très, très, très bonne équipe. Mm-hmm. Mais, je ne sais pas, bon. On n'a pas fait
Vous étiez même en Belgique en préparation. Si. En 69, vous étiez en préparation. Non. Non. J'ai la photo, vous étiez en Belgique. En 69 ? En 69. Vous ne confondez pas avec la Coupe 72. 71. Voilà, ouais, 71, ça, c'est la préparation pour la Coupe au Cameroun. Il y a une d'accord. En 69, on n'a pas été en Europe. On s'est préparé à Kinshasa. Mais la préparation était bonne. Bon, la préparation est bonne ou pas, en tout cas, on a perdu ces matchs. Hein. On a perdu on n'a pas pu faire quelque chose dans cette compétition. Vous avez même un point. Ah oui, on n'a pas fait grand-chose. Pourtant, on était bon, mais je ne sais pas si y a cause. Je ne peux pas incriminer l'entraîneur. Mm-hmm. Je ne sais pas. Donc, vous n'étiez pas en forme. Le football. Je crois que le football. Parfois, ça ne marche pas. Mm-hmm. Et pourtant, on avait des grands joueurs, comme vous l'avez dit. Il y a eu des jeunes qui sont. Ils sont arrivés, les Boanga. Mm-hmm. Et on n'a pas fait les poids. D'accord. Alors, 70, vous n'arrivez pas à défendre votre titre. À défendre votre titre, oui. Il faut maintenant préparer 72. Oui. Pour aller à Yaoundé. Oui. Mais on va en phase finale. Oui. Sachant qu'il n'est pas là. Oui. Kalamba, il est, pardon. Kibongé. Kibongé n'est pas là. Oui. Et les grands Katumba, le 3 ne sont pas voilà. là. Mais pourquoi? Ça, je ne sais pas si je vous avais raconté comme ça. Non, pas encore, je ne sais pas. Mais il y a eu un problème. C'est lorsque on devait partir à la préparation en Belgique pour préparer tout ce qu'on sait en compétition. Oui. Alors, nous sommes partis, j'ai été parmi le groupe qui est parti en Belgique, mais Kibongé n'est pas venu. Kibongé n'était pas parti. Il n'était pas retenu. Mais là, c'est Vidinic qui arrive, en fait. Stratégiquement, c'est l'arrivée de Vidinic. Mm-hmm. C'était tout justement la Vidinic qui devait prendre l'équipe en Belgique. Uh-huh. C'est là où il a pris l'équipe en Belgique pour la première fois. À Kinshasa, il n'a jamais pris l'équipe. Uh-huh. D'ailleurs, la liste a été faite, je ne sais quoi, pas par lui, c'est par Linda là, qui était directeur technique. Il était technique. Mm-hmm. Il y a eu aussi qui, je crois, je ne sais pas, quel entraîneur. Tsingy. Tsingy, il était entraîneur physique. Physique, oui. Mm-hmm. Mais. Oui, et puis il y a eu l'entraîneur qui était avec nous aussi, le nom m'échappe. Bon, avec Ndala, comme directeur technique. Mm-hmm. Donc nous sommes arrivés en Belgique, moi j'étais sur la liste. Donc c'est ce staff-là qui gère l'équipe nationale, qui gérait. En attendant d'avoir un titulaire. En attendant que Vidini qui était déjà là. Oui. Vidini qui était, il a même voyagé avec nous. Avant de poser ses bases. Avant, voilà, tout justement. Mm-hmm. C'est en Belgique qu'il a posé ses bases, quoi. Uh-huh. En Belgique. Et la liste a été faite, pas par lui, par les autres. Uh-huh. Non, je crois qu'à cette époque, Kabamba ne jouait plus. Il ne jouait plus. Il n'est pas dans l'équipe nationale non plus. Pas dans l'équipe nationale comme... Uh-huh. Comme entraîneur adjoint. Comme entraîneur adjoint. Uh-huh. Alors, il y a eu, je crois, Nzoui. Un ancien joueur bien avant moi. Et la série de Mukuna. La série de Mukuna Troué et tout ça. C'est lui qui était notre entraîneur adjoint, même à l'époque de Sanadi. Mm-hmm. C'est celui qui était adjoint de Sanadi. Ah, Sanadi avait un adjoint congolais. Un joueur congolais, lui, Nzoui. Mm-hmm. Et voilà, donc je disais, quand Vidinic est arrivé, c'est à Belgique qu'il a posé ses bases. C'est là où il a commencé maintenant à entraîner. Alors. Entre Vidinic et Mori, Mukuna n'était pas dedans. Non. Non. Mukuna n'y était plus. Même pour la Coupe. Mukuna est arrivé juste. Après 68. Non. Mukuna est arrivé bien avant 68. Ah, Mukuna, c'est une vieille histoire. Non, Mukuna est bien avant 68. Mm-hmm. Pas en 68. En 70, c'est Mukuna n'est pas revenu. Non, Mukuna n'était plus là. Et tu te souviens de Raymond Gotthals? Gotthals, oui. Gotthals, lui, il était. Il vous a entraîné en Belgique. En Belgique, voilà. Oui. Qui était l'entraîneur? Il est venu donner un coup de main ou c'était votre entraîneur? Non, il est venu donner un coup de main. Vous étiez en stage en Belgique. C'était en stage en Belgique. C'était à 71, voilà. 71, oui. Voilà. Mukuna n'était pas du staff. Non, Mukuna n'était pas du staff. D'accord. Voilà, c'était Vidinic. C'est Vidinic. Vous êtes resté combien de temps en Belgique?
Bon, je ne sais pas, un mois, hein, et donc, pendant cet un mois-là, pour vous dire l'histoire, pourquoi moi je n'étais pas là et Kibo n'était pas là. Et quand le Vénégui est arrivé, il a pris l'équipe en Belgique. Il prend l'équipe, les trois ne sont pas là. Vous êtes là? Non, moi sauf je suis Kibonge là, sauf Kibonge. Je parle de Kibonge. Mais Katumba est là. Katumba était là, ouais. Sauf Kibonge. Sauf Kibonge. Le joueur cadre oui. De l'équipe nationale. Kibonge, c'était cadre. Il, dans toutes les sélections, il était toujours là, pour moi aussi. Mais ce jour-là, il n'était mais pas sur la liste. Je ne sais pas. Moi, je vais vous le dire pourquoi maintenant. On a eu des problèmes lors de cette... Non, ça commence, ça en, commence Belgique, en 71. À 71. Alors, quand j'arrive, le problème commence. Voilà, je vous dis, parce que moi, on ne savait pas qu'il y aurait des problèmes. Moi, je suis arrivé, bon, je remarque, c'est Mack Kibonge n'est pas là. Moi, j'avais mais pas de soupçon. Tu venais d'où? Hein? Vous êtes arrivé en Belgique? Ouais. Vous êtes venu avec eux de Kinshasa? Oui. On est arrivé, j'étais en Belgique, c'était une sélection. Donc on a fait, on était ça sans Kibonge. Sans Kibonge, on a quitté. Vous ne posez pas de questions? Moi, je ne me pose pas de questions. Non, c'est-à-dire, moi, personnellement, je me suis dit, bon, pourquoi mon ami n'est pas venu? Alors, je me suis dit comme ça, à l'intérieur de moi-même. Après, on est arrivé là-bas, on a posé nos valises et tout le monde. Pardon, entre parenthèses, dans le temps quand vous êtes convoqué dans l'équipe nationale, ouais. Vous le savez comment? C'est par la radio non, non, vous avez des convocations qui non, viennent dans le club. On apprend par la travers de la presse où on vous informe aussi par les dirigeants du club. Ah d'accord. Ouais, par comme la presse, la radio, la télé, la télé. D'accord. C'est comme ça qu'on apprend. Vous quittez Kinshasa, ouais. Vous allez en Belgique, Kibonge ne fait pas partie. Ne fait pas partie. Est-ce qu'il était en forme? Si. Il n'y a eu jamais de problème. Le grand il était en forme, oui, il était en forme. Mais il a joué les championnats. Mm-hmm. On jouait les championnats. Mm-hmm. On jouait les championnats, il a participé dans les championnats. Même pas blessé, il n'y a rien. Non, Kibonge n'était pas blessé. Mais il n'est pas dans l'équipe. Il n'est pas dans l'équipe. Moi, je me suis demandé pourquoi Kibonge n'est pas là. Je n'ai pas voulu demander. Mm-hmm. Mais je dirais peut-être, j'allais demander lorsqu'on sera peut-être en Belgique. Oui. On est arrivé là-bas, on pose nos bagages, et voilà. Du coup, Védilic m'interpelle. Moi, oh, mon Kili, viens. Maman, tiens. Il vous connaissait déjà? Oui, vous nous connaissez déjà. Mm-hmm. Maman, tiens, Védinique, il m'appelle. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je vais, viens avec moi. Bon, on a monté là, il y avait. On a monté vers le toit là-bas, il y a eu une sorte de. Vous êtes à Bruxelles? On était à Anvers plutôt, parce que les centres d'entraînement de l'équipe belge. Les Diables Rouges, ça sauve Anvers. Enfin, je ne sais pas s'ils ont changé. Les locaux de l'équipe nationale. Voilà, les centres d'entraînement de l'équipe belge. Mm-hmm. On était là. Et il m'appelle, on a monté un pays quelque part là. Et au-dessus, toi tu tires, il y avait un deuxième. Bon, je ne vais pas dire un deuxième étage, je ne sais pas. Et premier étage, on est monté. Et dès là, il m'a dit, c'est à qui, mais bon, il m'a dit de s'asseoir. Lui aussi il était assis. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il va me dire? Et du coup, il me dit, si je vous appelle ici, c'est parce que on m'a dit que vous, deux, avec Kibonge, vous êtes des tutis. C'est-à-dire, vous montez les autres. Vous êtes on vous traite même des oranges pourries. C'est-à-dire vous... Est-ce que c'était vrai? Non, écoute, je vous dis d'abord, c'est-à-dire vous, avec Kibonge, on me dit que vous êtes des tétis, vous vous croyez intouchables, et c'est parce que vous avez des voitures, vous avez le café, vous avez un standing, parce qu'on gérait aussi les cafés Rio, moi et Kibonge. Café Rio. Ouais, à l'époque, avec... Ça payait, Oui, avec Franco, nous trois, Franco, moi et Kibonge, on gérait. Le café Rio. On avait des taxis. Kibonge avait deux taxis. Vous étiez pas des pauvres quand même. Bon, on était bien. On était bien, pas des pauvres à cette époque. En tout cas, à l'époque, là, Kibonge, on était bien. Mm-hmm. Moi, j'avais une VW. Kibonge aussi, il avait deux voitures de taxi. Moi, j'avais une Toyota taxi. Et il nous l'a dit. Il a dit parce que vous avez matériellement vous êtes mieux que les autres. Que les autres, vous entêtez vous les joueurs. Vous faites la grosse tête. Vous faites la grosse tête.
vous conseillez mal le joueur. Et vous croyez, voilà, vous croyez intouchable et tout ça. Des superstars. Alors, d'après les dirigeants, il nous dit, ou c'est Kibong, il n'en faut pas les deux dans l'équipe nationale. Ou c'est toi, ou c'est Kibong. C'est le ministère ou le staff? C'est ça que lui m'avait dit. Il m'a dit, ou c'est vous. Ah, c'est pour cela que Kibong est attaqué. Alors, c'est pas là que je me suis dit, bah bon, c'est pour ça que Kibong n'est pas venu. C'est pas là que je me suis dit, ah, bon, peut-être c'est pour cela que Kibong n'est pas venu. Voilà les problèmes. Moi, je me dis, bon, tout ce que vous me dites, je lui dis, non, ça sort. Dans l'équipe, rapidement, Vieux-Sayo, Kibong est remplacé par qui? Non, il y a eu des joueurs hein, au milieu de terrain, il y avait des Saïdi, il y a eu beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Alors je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Et je lui ai rétorqué en disant, non, ça fait un bon moment qu'on est de l'équipe nationale, on n'a jamais dérangé aucun entraîneur. Donc là, vous ne vous reprochez rien? Non, moi je ne me reproche de rien. Je lui dis que non, on se reproche de rien parce que depuis que vous n'êtes pas le premier entraîneur, il y a eu des entraîneurs qui sont passés avant vous. Jamais on a eu des problèmes avec des entraîneurs. Parce que lui, il a dit, non, il ne faut pas venir me mettre des bâtons dans les roues parce que moi, j'ai envie de réussir dans l'équipe nationale. Avec l'équipe nationale. Il a dit ça à maman. Alors, moi, j'apprends que vous êtes des têtus. Vous croyez donc les intouchables. Alors, vous êtes même des oranges pourries. Alors, chez moi, ça ne marchera pas. Moi, non, ce n'est pas vrai tout ce qu'on vous dit. Bon, il nous embête seulement parce que, tout ce qu'il dit, parce que nous avons une voiture, c'est qu'il nous embête. Si vous ont dit que parce qu'on a ça, on a ça, on a ça, parce que vous faites ça, c'est qu'ils nous en veulent. Où est le problème d'avoir un taxi, d'avoir... Ces accusations viennent du staff. Eh bien, on lui a dit, c'est qui c'est, d'après vous, vous dites... Mais, d'après, ce sont les staffs. C'est le staff. Eh bien, c'est le staff. Dans qui les dirigeants, quoi. Ben, tout passement dans la... Bon, je ne sais pas, je ne veux pas citer les noms de quelqu'un. Je sais qui est aussi à la base de cette histoire, je connais... Mais c'est l'histoire, hein. Ça fait 50 ans quand même. Bon, je ne cite pas les noms. Mais parce qu'il y a un nom qui est cité et nous connaissons que c'est ça doit être lui. Ouais, parce il était dans le staff. Oui. D'accord. Et allons-y, voilà. Ouais. Et voilà, il nous a dit, moi je lui ai dit, non, c'est pas vrai tout ce qu'on vous dit, ce sont des racontards. Peut-être qu'il nous en veut tout simplement parce que nous avons, comme vous l'avez dit, nous avons un taxi, nous avons une voiture, nous gérons tout ça. Et ils nous en veulent. Mais de nous-mêmes. De nous-mêmes, on a jailli des problèmes avec l'entraîneur. Il ne faut pas compter sur nous pour mettre les bâtons dans les roues, comme vous croyez. Ça, c'est votre réponse. C'est ça que ma réponse, je lui ai dit. Vous êtes resté un mois en Belgique. Un mois en Belgique. Et après, l'ambiance était bonne avec Midinik. Bon, à part ça, quand il m'a dit, bon, alors, il m'a dit, bon, écoutez, si c'est cela, vous êtes correct, il n'y a pas de souci, parce que moi, je viens ici avec l'intention de gagner, de faire quelque chose avec l'équipe nationale. Alors, je ne veux pas que vous mettez les bâtons dans les roues. Vous êtes resté un mois, vous rentrez quand? On est resté, d'abord resté, ça va arriver. Après, on est descendu, et après, on a commencé à faire nos entraînements comme d'habitude, et voilà. Et des semaines, on y était dedans. Les dirigeants et les staffs, ils achetaient les histoires. Et avec l'argent, les frais d'émission. Nous, on n'avait pas encore notre frais d'émission. Et ils avaient déjà les frais d'émission. D'habitude, ils allaient... vous l'avez, le frais d'émission. D'habitude, ça dépend des voyages. Il y a des voyages qu'on est parti où les dirigeants sont rentrés avec notre argent au pays, ils échangent à francs congolais et ils nous redonnent à francs congolais de donner un dollar. On a eu des cas comme ça. Bon, cette fois-là, on ne nous a pas donné notre argent pendant des semaines. Et par contre, eux, ils allaient acheter les histoires. Ils revenaient. Ils préféraient vous payer en monnaie locale et à Kinshasa. Non, j'ai dit, il y a eu des voyages comme ça. Mm-hmm. Mais là, pas encore. Là, on ne nous a pas payé encore. Deux semaines, pendant ces deux semaines-là, et les dirigeants, et les staffs, et ils allaient acheter. Nous, on était là sans rien. C'est alors que les joueurs ils se sont dit, non, écoutez, quand même, il faut que nous ayons aussi nos frais d'émission pour qu'on achète, puisqu'on va avec eux au magasin. On va laisser les magasins, les vitrines, tout le monde. Il faut que nous aussi, nous achetons. Aussi, oui. Voilà. Et on a interpellé Kalala, et Kalala est allé. Kalala n'a même pas dit. Le capitaine. Capitaine, c'est lui qui est capitaine. Kibong n'était pas venu. Alors Kalala n'a rien dit. Et les joueurs, on attendait, puis les joueurs, non, écoutez, vous êtes des. Moi, Kiombo. Il faut quand même approcher les dirigeants et leur demander quand même que nous ayons aussi notre frais de mission au lieu d'aller lécher les vitrines et puis rentrer pour rien.
Alors nous, avec Katumba, nous sommes allés. Ben voilà, j'ai les joueurs d'ici, ils ont deux besoin de l'argent. Après votre séjour en Belgique. Voilà, voilà. On est allé, on a approché les dirigeants, on leur avait dit que bon, les joueurs demandent à ceux qui aient les primes pour qu'ils achètent aussi les histoires. Ils disaient, bon, voilà, on verra, attendez tout ça. Pourquoi vous et Katumba? Parce que nous étions des cadres. Ah, d'accord, oui. On était quand même des cadres, les joueurs plus connus. Vous faites partie de la campagne de 78 déjà. Voilà, des campagnes 68 et tout ça, vous voyez. On avait quand même, après les Kibongé, c'est nous, c'est... Voilà. Kalala, après Kalakom, lui, n'a pas fait la mission. Ils ont contacté les joueurs. Voilà, ils ont dit, écoutez, voilà. Et nous, on est allé bonnement, en disant, oui, ce n'est que normal, on peut les redire, nous sommes allés, on leur avait dit que tu les déjà, les joueurs ont besoin de l'argent pour qu'ils achètent aussi des histoires. Mmh. Et ils nous ont répondu, voilà, attendez, bon, on verra. Alors, on est allé encore une fois, on ne nous a pas donné l'argent. Alors les joueurs ont décidé, maintenant, cette fois-ci, si on nous demande d'y aller, ou on ne part pas, ou on va avec le bus, on reste, au lieu d'aller lécher les magasins, les vitrines, on reste dans le bus. Mmh. Au lieu de faire la promenade. Voilà, la promenade, on reste dans le bus. Et nous sommes allés pour l'autre fois. Il n'y avait pas eu l'argent et les joueurs sont restés dans le bus. On n'a pas touché, on n'a pas descendu du bus. Mmh. Voilà. Et après, quand on est rentré, c'est après que moi j'étais suspendu avec Katumba. Parce que vous avez réclamé un droit qui était normal. Un droit qui était normal. Et vous êtes suspendu depuis la Belgique ou au retour de Kinshasa? Au retour de Kinshasa.